Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que la perche elle est pas queen queen, il faut que j'aille vous dire en acheter une. Alors, eh bien, c'est le moment d'aller pour nous à la déchetterie. Comme je vous avais dit, Eric il a tout fait, j'avais pas le temps ce matin, il fallait que je. Enfin, j'avais le montage de ma vidéo. Il a démonté tous les meubles de la courette pour qu'on les jette parce qu'ils étaient pétés, ils étaient carrément troués. Tout ce qui était devant, pareil, il a mis dans la voiture. Là, je l'entends, il va descendre les bouteilles. Donc, on va y aller. Et Jack. Vous savez, j'ai mis la nouvelle litière avec le haut, il n'est pas habitué. Il n'a pas été aux toilettes depuis hier. Il n'est pas bien, donc j'ai retiré la maison pour que ça fasse vraiment comme son ancienne litière. Mais non, il ne veut pas y aller. Là, il est grognon. Et bah tiens, en parlant de lui, on ira acheter aussi les piles après pour faire son petit jeu. J'espère qu'il va aller aux toilettes pendant qu'on ne sera pas là. Ce que vous entendez, c'est la machine. Enfin, c'est bazar à chaque fois. Bon, je vais quand même aller l'aider. Je vais surtout manger, il est 14h. Premier arrêt sur... Et franchement, il y a tout pour les bouteilles. Et la litière, mais elle pue. Est-ce qu'il y a une bouteille de cassé? Je vais regarder. Waouh. Vous êtes contents, je suis sûre, qu'on se fasse une petite sortie à la déchetterie. Hein? Une petite sortie du vendredi, c'est toujours cool. Et bien, dépêche pour ça. Ah, litière qui pue. Je suis à contre-jour, mais voilà Leclerc. Ben, on va acheter des piles et puis il y a autre chose. Pain de mie et peut-être voir pour une console. Des fois, ils ont des petits meubles sympas. Merci. Nous sommes rentrés. Oh merde, j'ai pas mis mes lunettes. Alors, on a les piles. On a même un nettoyant pour le sol, c'est cassé dans la voiture, quoi d'autre? Je vais vous montrer. Et bah, la courette est vidée. Elle est vidée. C'est encore un peu mouillé. Voilà, donc c'est tout sale. On a acheté la machine pour laver là. Le Karcher, on va le chercher lundi. On va tout faire, ça va être chouette. Par la suite, on va reprendre un petit salon de jardin, mais peut-être un peu moins lourd. Et voilà, ça sera sympa. Les coursettes, donc vous avez un peu vu, hein, j'ai montré rapidement. J'ai pris ça, ma perche, pour vlogger. Et c'est bizarre parce qu'ils ont changé le format, c'est plus petit. Mais bon, je pense que ça va le faire. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait que je vous montre et dise un truc. Les petites piles pour bébé Zaki. Le coton pour maman. Le démaquillant. Hop, et c'est tout. Et puis, bah, le pain de mie. Bon, c'est de la dépanne, hein. Mais je préfère en avoir deux parce que je sens que celle-ci, elle est au point de craquer. Bah, nouvelle perche. Oui, j'espère. Oui, je vais me faire sandwich parce que j'ai quasiment rien grignoté. Il est 3h50. C'est le pain de ce matin. Je vais le mouiller un petit peu pour qu'il soit croustillant comme sortant de la boulangerie que tu as gentiment été chercher ce matin avec les croissants et pain au chocolat. Voilà, donc la perche, bah, elle me paraît bien. Hein. Clac, clac. Le but, c'est que ça fasse plus de bruit. En plus, je peux le mettre comme ça. On s'occupe de son jouet. Bébé, tu veux bien lui mettre les piles dans son petit truc? Merci, je crois qu'il est pas prêt. T'es pas prêt, toi? Ça va super vite, en fait. Alors, il l'a regardé, mais j'ai l'impression qu'il s'en fout. Ou alors, il est... On va mettre le bruit de la souris. Ah, ça y est. Ah. Dégoûté, il s'en fout. D'accord. Bon, bah, c'est un fail, c'est un échec. Tout ça pour ça. Oh, c'est nul. Vous l'aurez compris, ce jeu n'intéresse absolument pas Jack. C'était soit l'un, soit l'autre. Hein. Bon, tant pis. J'insisterai. Je vais regarder encore pendant 2-3 jours, puis bah, je le mettrai en vente. C'est pas grave. J'ai encore mis de l'huile, hein, c'est pour ça que ça brille. Regardez. Mmh, il sort du four tout chaud. C'est vraiment top ça. Donc ça va être sandwich beurre. En même temps, je trouve assez mal foutu ce jeu. Il va beaucoup trop vite. Il y a 3 vitesses, mais ça veut dire avec des vitesses rapides. Bah oui, bébé. Je vais me retenter quand même. Il est pourri. Pourri. Bébé est en train de... Oh, il est dans ses toilettes. Je suis trop contente. Une fois qu'elle aura fait, je lui remettrai sa maison. Les petits plaisirs simples.
Ça fait plaisir. Alors, je suis montée dans mon bureau pour faire le tri et nettoyer parce que je vais tout vendre. Ça, c'est mon réflexe, le Nikon, qui est top. Je vais le vendre, il y a tout hein, qui va avec. J'ai l'objectif, le 50 mm, qui permet de faire vraiment de très 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 beaux plans. Donc cet ensemble, je vais le vendre. Je pense que ça sera sur Vinted, où je vais voir si la Fnac le reprend. Je vais également vendre ceci, à chaque fois j'ai des boîtiers. C'est le petit micro pour aller avec ça de la marque Nikon, c'est le ME1. Et je vais vendre, attention, c'est le comment, G7X que tous les youtubeurs utilisent pour vlogger notamment. Avec, voyez, hop, avec le retour caméra. Et je me sépare de tout ça pour une simple raison. Tout simplement parce que je compte changer mon équipement, investir dans le tout dernier appareil photo qui fait également vlog, qui est sorti là au début juin. Qui va faire ça en deux en un, c'est-à-dire que tu peux aussi bien vlogger que faire des face cam avec des jolis bokeh derrière, un petit peu le côté flou. Quand tu présentes les produits, ça fait le focus en deux temps, trois mouvements. Le son, et voilà, surtout le son apparemment est top. Tu peux mettre un micro externe. Si tu vlogs dehors, il y a la petite moumoute de façon à ce qu'il n'y ait pas le bruit. En vendant tout ça, normalement, je pourrais m'offrir l'appareil photo que je souhaite. Et je vais continuer à tout laver, tout ranger. J'ai regardé tous les prix, tout est bien rangé. Par contre, j'ai pas le droit de le vendre, on n'a pas le droit de vendre ça sur Vinted. Mais j'ai vu que la Fnac te rachetait les choses et te faisait des bons cadeaux. Donc tu les cumules et après, je vais pouvoir acheter mon appareil photo. Donc faut être éligible. Mais comme c'est que des trucs que j'ai acheté vraiment chez Nikon ou chez Canon, il y a tout, il y a les références, donc ça devrait passer, j'espère. 18h20, je vais éteindre la machine, je vais voir si on va marcher. J'avoue que je suis pas motivée là ce soir, mais bon. Cyril m'en parle pas, je m'en parle pas. Voilà, j'ai terminé. C'était surtout des serviettes. Et ça, c'est les vide-poches, parce qu'à chaque fois, je retrouve des pièces dans les jeans d'Eric. Voilà, ça fait la petite cagnotte. On allait voir Eric. Je lui dis, bon, dis-moi, tu vas marcher? Il fait, non, on marchera demain, j'ai un truc à 19h. Enfin, il doit regarder un truc, une émission à la télé. Tu fais, oh, c'est dommage ça. J'avoue, ça m'arrange. Oui, donc je suis contente si je peux m'acheter l'appareil photo, le tout nouveau. C'est un Canon, je crois. Il doit coûter 900 €. Et ça devrait coller. Je vous ai dit ou pas? Non, je vous ai dit, ouais, avec la Fnac et tout. Donc demain, j'aimerais bien y aller. Ah, mais je suis comme ça. Hein. Regarde-moi ce temps. C'est magnifique. Avec quelques petits nuages comme ça. Et pour la petite blague du jour, si je vais à la Fnac demain, j'amène le jeu de Jack. Je leur demande s'ils veulent bien le reprendre. C'est jamais. Il est 8h20. Je vais faire. J'avais fait du riz, donc je l'ai réchauffé. Je vais faire des poissons panés à la tomate. Salut. Ah, Eric s'est bien chanté. Oui, demain je vais recevoir la box Kitok pour faire 4 recettes que j'ai choisies, des recettes super sympas en plus. Oh, c'est cool, je m'en souvenais plus. C'est entre 8h et 13h. Hein. 8h, hein, ça va être un peu tôt, mais bon. Ah, c'est cool. Oh, ça va maintenant. Ça, j'ai envie de le faire revenir à la poêle. Et ça, j'ai envie de le faire au four. Est-ce qu'on peut le faire au four? Voilà. Mais non, mais tu me dis, tu vas regarder ton émission? Je me suis privée. Vite fait, hein. D'aller marcher et tu me dis que tu l'as loupé? C'est marrant, c'est que quand je t'ai dit non, je peux pas, tu n'as pas du tout résisté. Hein. Ah, c'est pas vrai. Ici, t'as fait la honte. Oh. Ah bon? Pardon? Sois honnête, t'étais pas motivé plus que ça non plus. D'aller les promener? Enfin, d'aller faire le sport. Si, là, c'est curieux. Je prends sans soi, des fois. Mauvaise foi, bonjour. Avant que j'oublie, j'ai reçu également une petite question, à savoir est-ce que l'oreiller, le nouvel oreiller, donc oui, je l'ai utilisé hier, et est-ce qu'il était bien, parce que ça semblait vous intéresser. Rappelez-vous, c'est à mémoire de forme, mais pas trop rigide, mais carrément, j'ai dormi tellement bien. T'as l'impression d'être dans du coton, mais à la fois t'es soutenu, c'est moelleux, j'adore. Franchement, je crois qu'il était pas très cher. 18 €, 14 ou 18 €, donc pour avoir un confort de nuque. Parce que moi j'en avais acheté un plus de 50 €,
à mémoire de forme comme ça, un peu bombé, rectangulaire, très rigide. Et il m'a pété la nuque. Donc, c'est pas parce qu'on te dit mémoire de forme, blablabla, certains sont pas adaptés. Trop rigide, c'est pas bon non plus. Bref, celui-là, il est canon. J'ai hâte d'y retourner. Vous voyez, d'aller me coucher. En attendant, ça va. Je mange salé, c'est le médecin qui l'a tiré. Ah ouais, pas rigolé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire ce soir? J'hésite. Entre organiser un poker clandestin, bien sûr. Aller à Paris, mais soirée de dingue. Hein, grosse soirée. Ou bien rester à la maison, manger des glaces devant notre série préférée. Eh bien, je pense que j'ai trouvé. Alors, on n'est pas sur un super plat? Franchement, ça me donne envie. Ils sont trop bons, ceux-là. Oh, il fait la tête. Parce que sur Insta, j'ai parlé de son transit. J'ai dit qu'il avait du mal, alors il n'est pas très content. Ah oui, bah oui. Tu sens le poisson pané, mon fils. Que t'es mignon. Oh, bah oui. Non, mais c'est bon, en fait, là. Il vient d'aller aux toilettes. Mais j'ai enlevé la petite porte, comme vous m'avez conseillé. On va manger devant la série. J'ai demandé à Eric, il prépare tout, donc j'espère. C'est bon? Oui. Yes.